C'est parti. Donc, bonsoir tout le monde. Merci Gauthier d'être là. Donc, très rapidement, Gauthier est formateur, créateur de la chaîne YouTube et du blog Faisons le mur. Donc, ce soir, il vient pour nous entretenir du sujet donc, des enduits et peintures naturelles. Il va notamment répondre à un certain nombre de questions, revenir sur, en fait, finalement, comprendre qu'est-ce que c'est qu'une peinture naturelle, qu'est-ce qu'un enduit naturel. Proposer quelques marques à votre demande en fait pour voir où se fournir. Parler de quelques artisans qui pourraient du coup vous recommander, vous accompagner dans votre projet. Vous parler aussi un peu des pratiques de do it yourself. Donc en fait comment réaliser vos propres peintures, vos propres enduits. J'espère que ça couvre un peu tous les sujets que tu avais envie d'aborder, Gauthier. Oui, tout à fait, tout à fait. Pour info, on risque de ponctuer cette présentation de petits sondages. Qu'on vous proposera à différents moments. Voilà, pour essayer de faire créer un peu de lien avec vous. Du coup, je ne vais pas parler plus longtemps, je vais te laisser la parole, Gauthier. Ok, super. Du coup, merci Théo. Si vous me voyez regarder un peu à gauche, à droite, c'est parce que j'ai la caméra qui est là et puis c'est un petit peu le bazar chez moi, donc vous inquiétez pas si j'ai un petit peu la tête qui bouge comme ci, comme ça. Et si vous me voyez changer de couleur et faire un peu des grimaces, c'est que je suis venu au pas de course. Je pensais que la réunion était à 18h30. Du coup, je n'ai pas eu le temps d'aller aux toilettes. Voilà, je pense que vous me comprendrez. Si vous voyez que je change de couleur, c'est que ce sera le moment de faire une petite pause. On fera un petit sondage. On fera un petit sondage, si vous me permettez. Alors, du coup, est-ce que vous m'entendez bien? C'est peut-être la première question. Je suis avec l'oreillette là. C'est bon pour toi, ouais, Théo? Ouais, nickel. Ok. Ok. Alors, on va faire aujourd'hui un petit tour des peintures et des enduits naturels. L'idée, la dernière fois, on a déjà fait un petit débrief sur ce qu'étaient les enduits. Et puis, on a vu toutes les erreurs à pas reproduire, en gros. Donc, aujourd'hui, je vais m'attarder légèrement plus sur les peintures, mais on va aussi parler des enduits parce que je sais que certains d'entre vous n'ont pas pu être là la dernière fois. Et au final, et bien, écoutez, si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas, vous les mettez dans les commentaires. Et puis la petite équipe de Twiza va les remonter. Donc est-ce que vous êtes en forme tout le monde? Est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou si vous êtes en forme, au taquet? Ouais. Génial. N'hésitez pas à marquer aussi dans les commentaires ce que vous attendez de la présentation, parce que souvent, il y a des bips là partout chez moi, excusez-moi, parce que ça vous permet de voir à la fin de la présentation, est-ce que c'est bien ça que vous vouliez? Donc, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires pour un peu faire le point aussi vis-à-vis de vous-même et tout et tout. Allez, sans plus attendre, j'envoie ici comment ça va fonctionner normalement avec cette petite flèche. Très bien, introduction. Donc, on va commencer à parler des peintures, le rôle et la composition des peintures. Hop. Je m'excuse, hein. Comme dit, je n'ai pas eu le temps de préparer comme je voulais exactement, mais bon. Alors du coup, le rôle des peintures, qu'est-ce que c'est? Donc, le rôle, c'est principalement d'embellir, c'est la chose qu'on voit le plus souvent et qu'on comprend le plus facilement, donc apporter de la couleur, apporter un petit peu de texture, mais elles peuvent aussi être là pour protéger. Typiquement, un badigeon à la chaux va servir à protéger un mur qui est déjà enduit, ou bien pour protéger un peu des intempéries et des choses comme ça. Elles peuvent tromper la perception. Ça, c'est sous-estimé, mais c'est vrai que les peintures mises dans un certain ordre et dans un certain, comment on va dire ça, configuration, ça permet de donner l'impression d'avoir une maison ou une pièce plus grande, plus volumineuse, ou au contraire, quelque chose d'un peu plus cosy, d'un petit peu plus intime. Donc voilà, on va apporter aussi de la sensation. Oui? Juste, on ne voit plus là, on voit juste Oh mince, c'est vrai. vas-y vidéo. Oh, c'est C'était très bien nul. juste avant. Parce que donc, oh, comment ça se fait? Alors, excusez-moi. Je suis sur un logiciel. Alors, je crois que j'ai trouvé. Ça devrait venir de là. Hop. Crazy camera. Oh non, c'est pas possible. Ce serait quand même dommage parce qu'il y a toute une présentation qui va avec ça. Bon, au pire, tu peux nous le dire à l'oral. Ouais, Nous mais remettre ta c'est. vidéo. Alors, parce que là, j'arrive même pas à revenir. Ah. Blur background. Aïe, 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 aïe. Eh ben, dis donc, On aime c'est. Prezi, mais là, on leur donne une grosse visibilité. Ok. Bon, ben, je vais le faire de visu. On va faire ça comme ça. Ouais, c'est aussi bien qu'on te voit.
Bon, c'est dommage parce que il y avait quand même toute une. Ah, mais non, c'est ma caméra hein, qui veut pas. Je m'excuse hein, auprès de tous ceux qui sont là et qui étaient à l'heure. Je vais me déconnecter et me reconnecter. J'espère que ça va fonctionner. Si vous voulez peut-être lancer peut-être une question en attendant un petit ouais, sondage, on peut faire ça carrément. Ceux, hein, si vous l'avez déjà prévu. Du coup, on va lancer un premier sondage sur les peintures. je pense que les réponses pourront intéresser Gauthier. Et c'est parti. Vous le voyez tous apparaître? Ouais, c'est bon. Super. Il arrive, Laurent. Gauthier, un petit problème de connexion. Il nous rejoint dans une seconde. Super, intéressant les réponses. Ramona, j'ai répondu au hasard aux trois questions. J'espère que ce ne sera plus le cas en sortie de cette formation. Ouais, moi aussi. Je pense que les réponses intéresseront bien. Gauthier. Attends. Merci pour votre patience. Hein. C'est les aléas de la vie, hein. Ça arrive à tout le monde. Les aléas du direct. On essaye d'innover sur le format, mais on n'est pas encore on n'est pas encore youtubeur. Est-ce qu'on aspire à le devenir? Je sais pas. On va voir notre marge de progression, ouais, c'est clair. Hop, attendez une seconde. Tchac, tchac, tchac. Yes, Gauthier nous revient. Bien, je vous partage les résultats. Gauthier, tu es avec nous? Voilà, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, Gauthier, est-ce que tu vois les résultats du sondage? Ouais, je vois les résultats du sondage. Excellent. Vous n'allez pas regretter que je me sois déconnecté parce que là, ça fonctionne et ça va être beaucoup plus sympa. Du coup, vous voulez que je réponde, j'imagine? Bah ouais. Alors question 1. Qui ont dit qu'ils avaient répondu au hasard et qu'ils espéraient ne plus le faire, voilà, au prochain sondage. Ok. Alors, quel est le lien contenu dans la bière? Donc, il faut savoir que dans les peintures et les enduits, il y a toujours trois principales matériaux composantes. Un lien, une charge qui va apporter de la couleur et qui va être tenu par le lien, et puis un diluant. Et là, bah, j'ai le sondage qui vient de partir. Donc, dans la peinture à la bière, c'est très, très simple. Et ça peut être quelque chose que je vous invite à faire dès demain, dès ce week-end. Vous prenez une bière, vous mettez dedans des pigments, de la craie, n'importe quoi, un peu de couleur. Vous essayez de faire une peinture avec. Vous allez voir, ça va très bien tenir. Ce sera lessivable, donc ce sera lavable à l'eau. Ça ne va pas tenir dans le temps dans ce sens-là. Mais c'est le maltose. En fait, c'est les sucres, si vous voulez. C'est les molécules complexes de sucre qui sont contenues dans la bière, qui vont faire en sorte que ça tienne. Donc, bravo aux 37% qui ont bien répondu. Vous pouvez vous applaudir vous-même. Et puis, est-ce qu'on peut faire une peinture avec de la pomme de terre? Oui, on peut. Et là, c'est pareil. On va utiliser un autre liant qui est l'amidon. Et on va utiliser l'amidon de la pomme de terre, qui est collant, qui est un peu pâteux, pour justement faire tenir les éléments entre eux. Donc là, génial. 92%. Je vois que j'ai affaire à des professionnels. Et quel est le liant contenu dans le fromage blanc? La caséine.
Voilà, ce n'est pas la latrine, c'est un piège pour les 5%. Donc, non, non, c'est la caséine. La caséine, c'est une protéine du lait qui est contenue dans le lait de vache et qui est aussi qui est très collante. Et là, typiquement, si vous prenez un fromage blanc 0%, deuxième expérience du week-end, fromage blanc 0%, vous mettez de la couleur dedans, vous diluez avec un petit peu d'eau et vous essayez de peindre quelque chose, vous allez voir en séchant, ça va se stabiliser et ça va faire une peinture qui va, ben voilà, qui va jouer le rôle qu'on lui donne. Alors, c'est pour des petites choses, mais imaginez pour faire des peintures avec vos enfants, pour voilà, vous occuper le week-end, faire une petite décoration, fabriquer une sorte de gouache ou des choses comme ça. C'est très, très didactique et c'est très ludique pour les enfants. Donc, voilà, peinture au fromage blanc et peinture à la bière à essayer ce week-end. Cool. Allez, je continue. Ou plutôt, je commence. Du coup, là, tout le monde voit normalement mon écran ici. Et si je fais ça, ça bouge. C'est magnifique. Donc, je disais que le rôle des peintures, et là, avec le support visuel, ce sera beaucoup plus agréable, embellir, protéger, tromper la perception et puis dissimuler. Donc, dissimuler, on revient aussi dans… C'est aussi une forme de tromper la perception. Hop. La composante ou les composantes, un liant, ça va être des colles, ça va être des résines, ça va être de la chaux, par exemple, ça peut être de l'argile, une charge qui va apporter le côté couvrant. Donc, ce qu'on a envie et ce qu'on attend d'une peinture, c'est un, bah, qu'elle tienne au mur, mais aussi qu'elle puisse recouvrir les surfaces sur lesquelles elle est posée. Donc, pour ça, on va utiliser la charge. Parce que beaucoup des liants qu'on va retrouver, des liants naturels, n'ont pas forcément de teinte à part entière. Donc, il va falloir justement bah, leur apporter ce pouvoir couvrant. Et ça, ça va être fait très souvent avec de la craie, qu'on appelle aussi du blanc de Meudon, et puis avec des pigments qu'on va trouver dans certains commerces, des pigments naturels ou bien des oxydes qui vont permettre ça. Un diluant, donc dans la plupart des cas, ce sera de l'eau. En tout cas, c'est souhaitable que ce soit de l'eau. Ça peut être des essences pour ce que sont les peintures, les huiles par exemple, les laques. Donc là, c'est assez compliqué de diluer avec de l'eau. Donc, on va apporter des essences, essences d'agrumes notamment pour ce qui est des produits écologiques. Et puis, des alcools, voilà, qui peuvent être utilisés dans ces cas-là. Et après, en quatrième composant, il y a les adjuvants. Donc, les adjuvants, eux, ils vont apporter le côté cicatif, le côté conservateur, parce que le grand problème des peintures naturelles, en tout cas certaines, celles qui ne sont pas minérales, c'est qu'il faut les conserver et les garder dans la durée. Voilà, certains adjuvants peuvent permettre de faire ça. Et puis, émulsifiant, donc c'est pour combiner les éléments entre eux, pour les mélanger entre eux, puis qu'ils se marient entre eux. Le rôle des enduits, maintenant, embellir. Comme on a vu tout à l'heure, protéger beaucoup plus que les peintures, parce que les enduits, c'est quand même beaucoup plus épais. Texturer, il y a beaucoup de textures différentes qu'il est possible d'avoir avec les enduits naturels et même les autres. Apporter de la masse, alors ça, c'est très intéressant aussi. C'est aussi très sous-estimé dans le bâtiment, mais ce qui manque cruellement dans le bâti moderne, c'est justement les apports de masse. Donc, on a des doublages en placo, on a des structures très légères. Et en fait, le problème, c'est que quand on va chauffer à l'intérieur de sa maison, eh ben, toutes les calories qu'on va produire, elles vont partir, elles vont vraiment se diffuser et partir dans l'atmosphère. Alors que nous, on aimerait bien qu'elles restent à l'intérieur de la maison pour pouvoir les utiliser le plus longtemps possible. Et la masse, elle permet ça. La masse, elle permet de capter les calories, de les conserver et de les redistribuer petit à petit. Donc, c'est très, très, c'est très utile. C'est aussi très utile pour les fonctions acoustiques, pour avoir de l'isolation acoustique, d'avoir un petit peu de masse pour pas qu'on entende à chaque fois qu'il y en a un qui tousse ou qui tire la chasse, que ça ne réveille pas toute la famille. Et puis, ça peut aussi servir donc, à redresser un mur. Donc là, on est sur de la maçonnerie. On va aplanir un mur qui en a besoin et puis le reprend. Les différentes textures, ici, je suis là. Ici, vous avez des enduits, l'enduit taloché. Donc là, c'est la taloche éponge. C'est une texture un petit peu rugueuse. À côté, c'est un stuc qui va être lissé. Ici aussi, un stuc brillant qui donne des effets marbrés.
Donc, tout ça, c'est fait avec de la chaux jusqu'à maintenant. Ici, on a des enduits terre réalisés par Nicolas Rosselot, sur un artiste incroyable, qui est un maçon-artiste, donc vous voyez, qui fait ces fresques-là. Et là, c'est la technique du sgraffito qu'il a employée. Si vous êtes curieux, donc c'est l'idée de mettre différentes couches d'enduit les unes sur les autres, de différentes couleurs, et de venir gratter cet enduit pour aller chercher les couleurs que l'on recherche. Donc, sur l'image à ma gauche, vous pouvez voir qu'il y a des endroits où il y a des endroits où c'est blanc, il y a des endroits où c'est noir et tout ça. Et du coup, il est allé vraiment chercher les différentes couches comme ça, ou bien il va les repeindre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on apporte du relief, et ça, on n'y pense pas toujours dans les enduits pour ce qui est de la texture. La composition des enduits, là, on ne voit vraiment plus. Hop, on va faire comme ça. Le liant, pour les enduits, ça va être les argiles, ça va être la chaux, ça va être le plâtre, c'est les plus courants, les plus connus. Ce sont des enduits et des liants minéraux. En charge, on va avoir du sable, des farines, encore une fois, de la craie, du talc. Les pigments sont aussi contenus dans les charges. Et on dilue avec de l'eau d'une manière générale, avec un adjuvant, donc retardateur de prise. Ça, c'est intéressant pour justement ne pas être trop tendu, trop stressé sur son chantier. Rétenteur d'eau, fluidifiant, hydrofugeant. Et on continue. Hydrofugeant, c'est pas l'idéal dans ce qui est la construction écologique, comme vous le savez déjà peut-être. Ensuite, les peintures naturelles rentrent dans trois grandes familles. Les minérales, les végétales et les animales. Donc ça, ce sont les bases, ou en tout cas l'origine de ces trois grandes familles. Pourquoi c'est intéressant de le savoir? C'est intéressant parce que quand vous allez devoir peindre un support, il est important de savoir quelle est la nature du support. Et sans savoir la nature du support, vous n'allez pas forcément savoir avec quelle peinture le peindre. Parce que typiquement, les supports d'origine végétale, comme peuvent l'être le bois, le contreplaqué, les choses comme ça, supporteront mal, ou en tout cas se combineront mal avec les peintures minérales, que sont les peintures à l'argile, les peintures à la chaux, et tout ça. Il y a bien entendu toujours des exceptions, mais dans les grandes lignes, c'est bien d'avoir ces bases-là de clair, et après, on va dans les exceptions quand on est un petit peu plus avancé dans le maniement des peintures. Et pour la question que vous vous posez, et les peintures d'origine animale, est-ce que c'est fait pour peindre le chat ou le canari? Non, les peintures d'origine animale, c'est ambivalent. Donc, on peut les utiliser sur des supports minéraux comme sur des supports végétaux. Là, typiquement, on a la caséine, dont on a parlé tout à l'heure, qui rentre là-dedans, puisque c'est une protéine du lait. Chaux, silicate, argile, pour ce qui est des minéraux. Les huiles, les résines, les gommes, gomme arabique, les sucres, comme on disait tout à l'heure, l'amidon, voilà, pour n'en citer que quelques-uns, font partie des liants d'origine végétale. Et puis, liants animaux, donc il y a la caséine, il y a l'œuf, la colle de peau. Là aussi, si vous voulez faire un essai, si vous utilisez l'albumine du jaune d'œuf, je vais dire une bêtise, parce que l'albumine, c'est dans le blanc d'œuf, mais si vous utilisez du jaune d'œuf et que vous le mélangez avec des pigments, vous allez aussi pouvoir réaliser des peintures très faciles à utiliser avec les enfants et très rapides à faire. Et la colle de peau, ça c'est moins utilisé, mais on retrouve encore dans des vieilles bâtisses des revêtements à la colle de peau. Ici, des Gautier. Exemples de... Oui Gautier, excuse-moi. Oui. Vas-y, Maïssa. Je me permets, j'ai une petite question sur... Alors moi, je ne connais pas du tout les peintures naturelles, donc je suis vraiment en mode découverte. Ouais. J'ai une petite question du coup sur le bâti, sur le côté lavable ou pas? Ouais. Sur l'entretien, je pense au côté un peu femme de ménage. Ouais, c'est un des inconvénients de beaucoup de peintures naturelles, c'est qu'elles ne sont pas toutes lavables. Alors du coup, on va choisir, et c'est là où il faut savoir un petit peu où on va choisir des peintures en fonction de la destination aussi de l'endroit qu'on va peindre. Donc si c'est un endroit où il va y avoir beaucoup de passages, beaucoup de autour des poignées de porte, autour des interrupteurs, des choses comme ça, on va essayer d'avoir des peintures qui sont plus résistantes et plus lavables, justement. Donc, la caséine rentre dans ce cas-là, mais il ne faut pas non plus trop la mouiller. Et puis, si ce sont, par exemple, si on doit peindre un plafond, si on doit peindre des zones qui sont de toute façon pas pratiquées, là, on peut se permettre d'utiliser des peintures qui sont super, super économiques, qui font le taf et qui vont tenir très longtemps dans la durée, dans la mesure où il n'y a pas de friction, dans la mesure où il n'y a pas de frottement particulier. OK. Voilà. Et puis après, tu as les peintures à la chaux, les peintures minérales qui, elles, peuvent être
ultra résistant, lavable dans une certaine mesure, mais c'est vrai qu'on surestime souvent le besoin de laver ses murs. Alors, je ne sais pas combien de fois par an, combien de fois par saison, on va penser à laver ses murs, mais ça dépend vraiment de l'environnement. Est-ce que vous avez des animaux? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que, voilà, si telle ou telle autre chose. Ouais, non, je pensais aux portes. C'est vrai que c'est plus les portes qu'on a tendance à laver un peu plus souvent, quoi. OK. C'est ça. OK, bon. Merci. Cool. Alors là, on a une peinture suédoise qu'on appelle aussi peinture à la farine. Donc, c'est une peinture qui est cuite. Et vous voyez, les couleurs sont quand même… C'est vraiment des belles couleurs. On arrive vraiment à reprendre et retrouver les couleurs des pigments. C'est des peintures qui protègent. Alors là, c'est exceptionnel. La peinture suédoise, le fait d'utiliser les pigments résistent aux UV. Les UV sont ceux qui abîment les matériaux, comme le bois, par exemple. Et là, on a vraiment une protection UV sur le bois qui fait que qui va résister et qui va tenir et durer beaucoup plus longtemps que si on ne l'avait pas peint. Donc là, il y a vraiment un côté protection et embellissement décoratif. Ici, la peinture à la caséine. Des peintures, voilà, ici, il y a une laque au milieu, donc de l'huile mélangée à du pigment, et puis des exemples de pigments. Hop. Si je vais trop vite, vous me le dites. Si je vais trop lentement aussi, dites-le dans les commentaires. Normalement, il y a l'équipe qui est là pour regarder, mais n'hésitez pas à vous manifester et puis à dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. On est là pour échanger, c'est quand même le but. On a une petite question, Gauthier, de Thomas. Bien sûr. Comment figer une peinture type blanc de Meudon pour éviter qu'elle se lessive avec de l'eau? Tu peux utiliser une laque. Donc, tu vas prendre du blanc de Meudon avec de l'huile de lin, par exemple. Donc là, on va avoir une peinture. Mais ça, pour faire des grandes surfaces, ça revient vite cher. Sinon, si tu as une peinture qui est en place et que tu as envie, parce que c'est un endroit spécifique, typiquement dans la cuisine, il y a une crédence ou des endroits comme ça, et vous savez que vous allez avoir besoin de laver beaucoup. Alors, la première solution, c'est de faire une exception parce qu'on utilise les peintures on utilise les solutions adaptées aux besoins. Donc, s'il y a des endroits où il y a vraiment besoin de rincer souvent ou de passer souvent avec l'éponge, il faudrait utiliser des peintures du commerce qui, elles, sont faites pour ça et qui sont beaucoup plus résistantes, même si elles sont moins naturelles. Mais l'idée, c'est de ne pas généraliser. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait cette petite zone-là qu'il faut refaire toute sa maison et tutti quanti. Donc, la première des choses, c'est le bon sens. Est-ce qu'on peut se permettre de prendre le temps de faire une peinture naturelle et de la protéger beaucoup et d'apporter l'entretien, qu'est-ce que ça demande aussi? Donc, si on peut se permettre ça, il n'y a aucun souci. Mais si on veut, sinon, on peut se demander, économiser du temps, c'est aussi économiser de l'énergie, c'est aussi économiser des ressources carbone finalement, parce que c'est un travail qu'on va faire une fois et qu'on ne va pas le refaire. Donc, des fois, des solutions, on va dire, du commerce peuvent faire le job pour ça. Et un bon exemple, c'est quand vous vous habillez, y a des habits que vous allez mettre pour le chantier, mais par exemple, votre chemise en lin ou votre pantalon en lin qui va très bien sur la plage en été, si toutefois… ça ne sera pas adapté au chantier, ce ne sera pas adapté à d'autres choses. Donc là, on va plutôt utiliser un jeans, on va plutôt utiliser d'autres matériaux. Et là, c'est la même chose, il faut avoir cette réflexion-là. On peut tout faire en termes d'habits ou en termes de solutions en peinture et en enduit, mais il faut que ce soit adapté, il faut que ça reste raisonnable et réfléchi. Voilà. Hop. En autre question sur les peintures, Gauthier? Oui. Du coup, est-ce qu'elles sont applicables au pistolet et est-ce qu'il faut une treille d'accroche? Alors, elles sont applicables au pistolet pour certes. Enfin, oui, parce qu'en fait, à partir du moment où c'est propulsé dans un pistolet à air, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il peut y avoir, parce que certaines. Voilà, il faut faire des essais. Moi, je ne le fais pas au pistolet, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de raison que ça ne fonctionne pas. Ça dépend de la texture, ça dépend un petit peu de la consistance de la peinture. Il faut qu'elle passe dans la buse et tout ça. Avec la chaux, par exemple, là, il peut y avoir un problème parce que la chaux fait sa carbonatation à l'air. Et du coup, si on la met et si on met de l'air comprimé ou compressé pour pouvoir la projeter, je pense que ça doit agir en termes de carbonatation. Je ne pense pas qu'elle soit aussi pertinente. Mais oui, éventuellement. Alors, je n'ai pas de retour à vous faire là-dessus. Mais il n'y a pas de raison particulière pour que ça ne fonctionne pas.
Et du coup, au sujet de la treille, alors c'est pour un truc spécial, c'est sur des panneaux de liège, mais du coup, on a une personne qui se posait la question si on pouvait en appliquer. Donc, j'imagine que sur du liège On est par expansé. contre. Je Et est-ce me qu'il permets faudrait là. du treillis? Ouais. Ouais, je me permets. Je pense que la personne parle d'enduit et pas de peinture Oui. sur le sujet. Ça a l'air d'être plutôt ça, oui. Ouais, on est plutôt sur de l'enduit. Je pense aussi. Du liège à améliorer. Il y a beaucoup de questions que enfin, on va essayer de répondre à certaines questions par la suite. Là, sur des plaques de liège, oui, il va falloir mettre un treillis ou en tout cas une bande au niveau des raccords parce que forcément, bah, c'est des éléments dissociés. Et puis, s'il y a des mouvements, s'il y a de la vibration, ça risque de créer des petites fissures et de désolidariser. Donc là, oui, il faudrait. Mais l'enduit projeté, ça se fait tout à fait. Donc ça, il n'y a pas du tout de problème pour projeter de l'enduit. J'enchaîne. Donc, chaud-plâtre, ça, on avait vu. C'était les liants d'origine minérale. Voilà, on va avoir quelques exemples ici. Donc, un faux tas de lacte. Donc ça, c'est un mur étanche, hein, pour le coup. C'est un enduit étanche qui a été traité avec du savon noir pour justement lui apporter ces propriétés-là. Ça, bon, la qualité n'est pas excellente, mais c'est un enduit taloché. Et voilà. On continue. Sain et naturel. Alors, il est 10h42. Alors, écologique, mon cher Watson. Donc là, c'est les questions qu'on va se poser pour aller pour le choix des peintures. Donc, j'ai déjà un petit peu abordé le sujet. On va aussi se demander pourquoi est-ce qu'il faut mettre des polluants, des matériaux qui sont finalement pas bons pour la santé dans dans les peintures. Alors là, j'aurais aimé changer ce premier titre avant le webinaire, mais au final, voilà, je pensais que le webinaire était à 18h30, donc j'ai pas eu le temps. Pourquoi tuer les femmes enceintes? C'est un peu provocateur, mais c'est pour se demander, mais pourquoi est-ce que les gens utilisent des polluants? On va essayer de répondre à ça. Est-ce que écologique, c'est une meilleure qualité? Naturel, est-ce que ça veut dire bon pour la santé? Peut-être, peut-être pas. À quelle heure est prévue l'apocalypse? Parce que souvent, on a tendance à beaucoup dramatiser certains sujets. En tout cas, c'est mon avis personnel. Chacun aura le sien, mais il faut savoir raison garder pour avancer et puis avancer correctement. Donc, les avantages des peintures et des enduits naturels. Le premier, ça va être la santé des habitants, la santé des artisans. C'est important parce que souvent on pense à soi quand on parle de produits naturels, mais il y a des gens qui travaillent avec ça toute la journée. Et puis, si les produits naturels se démocratisent, eh ben, ça fera du bien à toute la, à ben, tous les artisans, à tous les travailleurs de ces produits-là. La santé du bâti, on parle beaucoup de perspirance aujourd'hui. Je pense que c'est un concept qui est bien rentré, que les murs respirent. Donc, on savait que les murs avaient des oreilles. Maintenant, on sait qu'ils ont aussi des poumons. Les murs ont envie d'avoir des transferts d'humidité qui puisse se faire à l'intérieur de sa maison. La santé de la planète, donc là on est sur l'écologie, la non-pollution. Ce sont des enduits qui ne sont pas filmogènes. Filmogènes, c'est quoi? C'est les peintures glycérol. Typiquement, c'est comme si on mettait un rouleau comment ça s'appelle, de film plastique sur ces murs. C'est pas l'idéal. Ça étouffe vraiment. C'est les peintures et les produits naturels ne font pas ça, ils permettent justement le mouvement d'air et d'humidité. Pas de gaspillage d'outils. Donc là, on a tous connu le pinceau inutilisable après avoir utilisé les peintures glycéro, typiquement certaines acryliques. Donc ça flingue pas mal les outils et du coup, ça demande toujours de réutiliser et de racheter et de reconsommer. Alors qu'avec les produits naturels, c'est très simple à nettoyer, ça part souvent à l'eau et puis c'est réutilisable. La qualité, donc on apprécie une bonne qualité, une belle finition. Les reprises sont faciles avec beaucoup de ces peintures-là. Après, faut garder un petit peu les recettes, faut savoir refabriquer la peinture qu'on a faite une première fois pour pouvoir faire de belles reprises. Et puis, une thermique de qualité, donc là, c'est le point dont je parlais tout à l'heure avec les enduits et justement l'inertie, donc capter les calories et puis avoir un confort à l'intérieur de la maison qui est beaucoup plus intéressant. Les inconvénients, ça peut être la palette de couleurs, puisqu'on est limité finalement aux couleurs des pigments, aux couleurs des ocres, aux couleurs des terres. Donc voilà, c'est une palette qui est assez pastel et ça peut, ben voilà, selon ce qu'on souhaite. Après, il y a les oxydes en termes de pigments qui, eux, vont avoir
des couleurs beaucoup plus pétantes, beaucoup plus éclatantes. Et voilà, donc les ocres et les oxydes. Le côté pas brillant, donc on peut avoir du satiné, légèrement satiné avec les peintures naturelles, mais ce sera rarement du brillant, tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous attire, mais si c'était le cas, ce ne sera pas possible. C'est plus technique, il y a des règles à suivre. Étant donné que c'est vous qui le faites, voilà, il faut respecter vraiment le matériau, respecter les pratiques. C'est non lessivable pour beaucoup d'entre elles, parce que, comme je disais tout à l'heure, voilà, les matériaux naturels ne sont pas voués à résister, on va dire, à toutes les saisons et à toutes les attaques, donc aussi un petit peu plus fragile. Encore une fois, selon la destination, c'est à réfléchir et bien choisir la peinture qu'on souhaite utiliser. Ça demande plus de main-d'œuvre, parce que plus de couches. Donc, dans le commerce aujourd'hui, c'est du monocouche, on y va, et puis c'est fini dans l'après-midi. Non, là, il va falloir s'y prendre à plusieurs fois, le faire avec amour, tendresse, et puis on va y répondre. Alors, c'est plus long à sécher, pas toujours, mais c'est vrai que c'est à préparer. Des fois, il faut respecter les temps de repos. Donc, tout ça, c'est un peu les inconvénients. Mais en gros, c'est les inconvénients de faire sa nourriture soi-même. Donc, manger au restaurant ou manger du préfabriqué, enfin, si on dit comme ça, ouais, préfabriqué, ou alors faire à manger soi-même, eh ben, on retrouve aussi les mêmes aléas avec les peintures et avec tout ce qu'on fait soi-même, que ce soit, ben, voilà, que ce soit la couture, que ce soit le dessin, je n'ai pas d'exemple en tête. Du coup, préformuler ou pas? Est-ce qu'on va acheter des peintures du commerce? Est-ce qu'on ne va pas acheter des peintures du commerce? Certaines fois, c'est nécessaire. Ça ne sert à rien de jeter la pierre, justement. Donc, on va essayer de voir un peu que penser des labels. Un point sur la composition. Je pense qu'on va passer ça assez vite parce que ce n'est pas ma grande spécialité. Je l'ai mis là parce que je trouve que c'est intéressant. Mais je pense que vous serez plus intéressé à ce qu'on s'attarde sur les questions. Le guide des produits. Oui, vas-y. Je te proposerai aussi, après cette partie, de mettre la communauté à contribution, notamment sur les questions d'application et de composition des enduits et des peintures, avec un micro-sondage, okay, si tu veux. Ok, carrément. Pas de reprendre ta salive. Aucun souci. On rentrera dans les questions. Pas de problème, Théo, c'est super cool. Du coup, j'en étais où? Un petit guide des produits toxiques. C'est la présentation, vous pourrez après la récupérer, comme ça vous regarderez quelle marque choisir. Et puis, il y a Mathilde qui voudrait nous dire quelque chose. Mathilde, si tu veux couper ton micro, ce serait apprécié, merci. Et puis, combien ça coûte, grosso modo? Il n'y a pas de règle universelle, mais on va regarder ça doucement. Alors, les normes. On fait attention quand on achète des peintures, on voudrait faire attention, on ne sait pas toujours à quoi. Alors, il y a les COV que vous connaissez peut-être. Donc, COV, ce sont les composés organiques volatiles. Donc, ce sont des particules, si vous voulez, microscopiques qui finalement flottent dans l'air, qui sont émises par les peintures et qui sont, pour certaines, cancérigènes ou en tout cas dangereuses pour la santé. Donc, on aimerait savoir combien il y en a. Tout ça, ça nous est indiqué par des labels et puis par des petits badges ici. Donc, il y a le A, donc ça va du A+ au C. Le A+, ça représente 1000 microgrammes par mètre cube. J'imagine que ça ne vous dit pas grand-chose, mais là, on parle de démission, c'est-à-dire on ne parle pas de quantité de COV dans le matériau, on va parler d'émission. Parce qu'il peut y avoir des peintures avec, par exemple, une grande proportion de COV, mais qui ont zéro émission. Donc, au final, on s'en fiche, c'est beaucoup moins néfaste, puisque cette peinture-là va conserver ses COV. Alors qu'il y a des peintures qui ont moins de COV, mais qui vont avoir un plus grand taux d'émission. Et là, du coup, elles seront plus dangereuses. Donc, c'est des petites choses à regarder. Mais en règle générale, voilà, c'est des choses sur lesquelles se concentre la réglementation, c'est sur les COV. Problème, c'est qu'elles se concentrent sur une dizaine de COV, alors qu'on en recense, je crois, 130 ou quelque chose. Donc, tous les composés organiques volatiles ne sont pas forcément compris dans l'éventail des cas qui sont étudiés. Ici, on a l'ADEME qui nous suggère MF Environnement, l'écolabel Nature Plus, qui est un label allemand. Donc, pour des raisons que j'ignore, les Allemands sont super forts pour... ils ont vraiment des bons labels de qualité. Ici,
Alors, je vais m'enlever. Hop. Ici, vous pourrez récupérer. Donc, ça, c'est une photocopie que j'ai fait du magazine La Maison écologique. Et eux, par exemple, ils ne sont pas tout à fait d'accord, vous voyez, sur la norme française, parce que justement, il n'y a pas assez d'éléments qui seraient pris en compte. Et puis, et voilà. Donc, eux, ils ne classent pas NF Environnement comme le meilleur des choix. Ils vont sur Nature Plus, qui est tout en haut. Eco-test et puis les autres. Donc, je vous laisserai regarder ça de votre côté. Hop. On a ensuite les étiquettes, donc à part les COV, donc de quoi est composée la peinture. Les peintures, souvent, comment ? L'idée, c'est de préférer ceux qui communiquent, parce qu'on ne sait jamais exactement ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Donc, l'idée, c'est vraiment de regarder les fiches techniques et puis de voir s'il y a des choses qui sont un peu omises ou si finalement, il y a des groupes qui ne sont pas vraiment nommés. Donc, vous pouvez vous méfier légèrement et puis essayer de prendre autre chose. Mais ceux qui stipulent et qui marquent tout, même si ça fait des fois un peu plus peur ou c'est un peu plus inquiétant parce que les noms sont un peu barbares, c'est quand même mieux et c'est un peu plus transparent. Donc, à base de, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on va vous dire une peinture à base de chaux, une peinture à base d'huile végétale. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire qu'il y a de la chaux dedans. Ça veut dire qu'il y a des huiles végétales dedans. Mais ce n'est pas forcément ce qui compose ou ce n'est pas la grande partie de la peinture. Donc, à base de, méfiez-vous un petit peu. Le latex, on a tendance à faire attention, mais latex, finalement, il y a du latex naturel, il y a du latex, comment on va dire, synthétique. Donc, latex, en vrai, c'est plus un état qu'un produit. Donc, c'est un état de certains éléments qui sont considérés latex ou pas. Et puis, les COV, voilà, le contenu versus les émissions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ici, donc là, vous avez un petit peu des grandes lignes. Alors, ne faites pas attention à acide acétique. Oups, ça bouge. Acide acétique ici, c'est faux. Acide acétique, c'est du vinaigre. Donc, je ne vois pas pourquoi c'est ici. Et puis, j'avais vu un autre petit bug qui doit être. Alors, attendez. Je ne sais plus. Mais en tous les cas, avec ces documents, vous aurez une idée un petit peu du jargon. Et puis, ça peut vous aider à faire votre choix parmi ce jargon. Donc, tout ça, c'est acceptable. Voilà, pas trop de problèmes. Et puis, tout ça, voilà, térébenthine balsamique, finalement, c'est balsamique qui est bizarre. Je ne sais pas pourquoi il marque ça. Mais c'est térébenthine qui est aussi naturelle. Après, c'est un solvant. Et là, on va arriver au prochain sujet. Est-ce que naturel veut dire sans risque ? Ce n'est pas toujours le cas. Donc, voilà, je vous laisse lire ça au calme. Pour justement ne pas ou avoir une meilleure idée sur les composantes. Les coûts, les prix, on a grosso modo 1 à 3,50 € du mètre carré pour les peintures du commerce. Les peintures écologiques faites maison, ça va de 0,5 à 1 € du mètre carré. Vous comprendrez qu'il y a différentes peintures et c'est toujours compliqué. De donner une fourchette réaliste en sachant que c'est les pigments qui vont beaucoup faire gonfler le coût de vos préparations parce qu'il y a des pigments qui sont accessibles, il y en a d'autres qui sont plus rares et du coup qui vont être plus chers. Donc c'est un petit peu la couleur qui va donner les dépenses du portefeuille. On continue. Ici, ça vient aussi de la maison écologique, donc je vous invite, je l'ai ici d'ailleurs. Ça vient de celui-là. Non. Si, je crois que c'est celui-là. Ce magazine, La Maison écologique. Là, vous le voyez à l'envers. 50 nuances de... C'est quel mois ? C'est le mois de... C'est le 111. Vous regardez, juillet 2019. Okay. Mais là, il y en a un plus récent dans lequel vous verrez ma jolie frimousse. ouais, j'ai deux articles dedans. Donc, si ça vous dit, vous pouvez regarder. Et là aussi, il parle pas mal des COV. De comment décrypter les étiquettes et des choses comme ça. Donc voilà, la maison écologique, ils font du bon boulot. C'est compliqué pour les journaux, pour les éditions papier en ce moment, donc n'hésitez pas à vous abonner. Gauthier, j'en profite. Du coup, là, il y a une question. Il y a quelqu'un qui demande si tu aurais des ouvrages de référence pour aider justement à faire son choix sur les différentes options de peinture et enduit naturel. Qui aurait des recettes, si tu as des bons bouquins, du coup.
J'ai tendance à orienter vers les livres de Bruno Guthrie, avec qui j'ai travaillé, donc c'est très subjectif. Voilà, qui a écrit deux, trois livres sur les peintures et les enduits naturels. Et voilà, il y en a qui sont plus axés sur la coloration, les pigments. Il y en a qui sont plus axés sur les peintures et les enduits d'une manière, on va dire, globale. Mais ouais, les livres de Bruno Guthrie sont pas mal. Sinon, comme ça, de tête, pas trop. Mais cherchez les hors-séries. Dans la maison écologique, il y a pas mal de hors-séries et c'est généralement très complet. Ouais. Donc Super, ici, par merci. exemple, je t'en prie. Ici, par exemple, vous avez les comparatifs de différentes marques. Donc, ça peut être intéressant. Voilà, encore une fois, le document, vous le récupérez à la fin de la présentation. Quelques marques non exhaustives, il y en a plus, bien entendu. Voilà, et ensuite. Ah, on est déjà à cette section-là. Bon, très bien. Est-ce que Jusqu'ici. avant de terminer, tu veux qu'on fasse un petit sondage histoire de réveiller tout le monde et de. Alors, tu sais quoi? On va demander. Est-ce que vous avez envie de faire un petit sondage? Faites coucou comme ça si vous avez envie de. Ouais, c'est bon, tout le monde est réveillé. Je crois Sur la que. composition, ok, bah je lance ça alors. C'est parti. Sur la préparation et la composition. Avant de rentrer sur la partie do it yourself, je pense que c'est pertinent. Ouais, alors pour un peu de contexte, c'est des questions que je t'ai fait remonter. Les Ouais. sujets n'ont pas tous été traités là maintenant, donc ce sera pour certains un petit peu plus de la devinette, mais au moins vous pourrez, ben, c'est une bonne façon aussi de se souvenir et de se rappeler des informations, c'est quand on est forcé à répondre et que au Yes. final, ben, que ce soit juste ou faux, ça va permettre un petit peu la rétention de l'information, donc n'ayez pas peur. Vous êtes la moitié à avoir répondu. Je laisse encore 30 petites secondes. Allez, encore 10 secondes. Il y a Sandrine qui nous dit excellent livre chez Terre Vivante, peinture et enduit bio. Les Ouais, et recommandations. ben, c'est comment? C'est Bruno Guthrie, justement. D'accord. Et pour ceux qui sont intéressés par ça, ben, on a créé aussi pas mal de documents et de formations sur Faisons le mur avec Bruno. Du coup, lui, il a ouais, plus de 20 ans, depuis les années 90, il a commencé à toucher aux peintures écologiques. Et puis, à partir des années 2000, il a vraiment fait plus que ça. Et il est sur une ligne de savoir. J'en profite du coup, Gauthier, pour vous dire. Donc, je vous enverrai évidemment le replay de cette rencontre. Mais on aimerait que la discussion continue sur le forum. Donc, je créerai un sujet. Et donc, voilà, si du coup, dans la discussion, vous voulez partager des références bibliographiques, je pense que ça pourrait être un bon endroit pour le faire, toujours dans un esprit de partage et d'intelligence collective. Donc, voilà. Vous recevrez un mail avec toutes les indications, une invitation au forum d'ailleurs si vous n'avez pas encore créé de compte. Mais voilà, ce sera un bon endroit pour continuer à échanger et créer de la connaissance sur ce sujet. Je partage les résultats tout de suite. Alors, combien de repos respecter pour les préparations de peinture naturelle? 10 à 20 minutes, une semaine, 6 à 24 heures. La bonne réponse est 6 à 24 heures. Donc, bravo, vous êtes plus de la moitié à avoir trouvé ça. Donc, applaudissez-vous, vous pouvez y aller. De quel pourcentage de pigments à respecter dans les enduits à la chaux? Alors, 15% du poids du liant. Alors, en fait, il y a un petit piège. 15% du poids du liant, 25% du poids du liant ou 35% du poids du liant. La bonne réponse, c'est 25%. Désolé. Parce que le piège, c'est avec les ocres et les terres colorées. Il faut. Ah non, ben non, oh, excusez-moi, je dis une bêtise. Non, vous avez raison, c'est 15% et 25% avec les oxydes. Donc les oxydes, on peut les charger un petit peu plus. Donc voilà, désolé pour l'ascenseur émotionnel. Si vous aviez répondu 15%, vous êtes un champion ou une championne. Et ensuite,
Sur quel support peut-on appliquer la peinture à l'huile? Alors, peinture à l'huile, peinture végétale sur support végétal. Donc, idéalement sur le bois, mais spéciale dédicace à tous ceux qui ont dit sur le métal, parce que là, c'est une exception pour le coup. La peinture à l'huile, elle va très très bien pour le métal, pour les même si, même pour les extérieurs et les choses comme ça. Elle est super super pratique. Et bah, puisqu'on en parle, Bruno a un livre qui est dédié à la peinture à l'huile, en particulier au lac et au lazur. Donc voilà, bois, métal et pierre, au final, oui, ça tiendra sur la pierre. Donc tout le monde a un petit peu raison ici. Mais techniquement, c'est vrai que si vous avez écouté ce que j'ai dit végétal sur végétal. Là, il y a l'exception, c'est qu'on peut utiliser sur du métal et ça fonctionne très bien avec une petite préparation, une sous-couche. Et puis la pierre, pourquoi pas, mais c'est quand même, c'est pas l'idéal, mais pourquoi pas. Donc voilà. Alors, bravo à tous et on continue. Là, maintenant, on va voir. Comment faire faire, par qui, et puis des ressources utiles. Alors, comment faire, s'informer, se former. Je vais m'enlever du milieu. Bim, se faire confiance, parce que souvent, on a tendance à se dire, oui, non, je ne sais pas assez, je ne suis pas capable, c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais, et puis ci, et puis ça. Alors qu'en fait, voilà, c'est un jeu, la construction, c'est un jeu, faire sa maison finalement. On peut le voir comme quelque chose de très compliqué, mais je pense que construire, c'est la première des choses que font les enfants quand quand ils arrivent à manipuler, à trouver, à jouer avec des objets, c'est qu'ils commencent à construire des petites maisons, après des Lego, après des choses comme ça. Donc faites-vous confiance, c'est accessible. Et plus vous jouez, meilleur vous serez, mais il faut commencer. Donc faites-vous confiance et faites-vous plaisir. Ça viendra tout seul. Et d'autant plus que voilà, vous utilisez des produits naturels. Vous pouvez le faire avec toute la famille. Il n'y a pas de risque particulier. Voilà. Se former, s'informer. Donc là, il y a par exemple, c'est les carnets de recettes que je mets à dispo sur Faisons le mur, qui sont comme ça. Donc il y en a 17 sur les peintures, enfin, 17 peintures différentes, 23, non, 23 peintures et 17 enduits différents. Donc ça va de la sous-couche à la finition. Et puis c'est un petit peu sous cette forme. Donc vous avez quelle est la base? Là, c'est base fromage blanc, le liant, c'est la caséine. Quelle est la charge utilisée? Et puis, de sommairement, comment les préparer, comment les utiliser. Voilà, mais avec ça, vous êtes déjà, voilà, vous êtes déjà prêt à vous lancer, à faire quelque chose et puis à vous faire plaisir. Et n'ayez pas peur de rater, hein, parce que l'idée, c'est ça aussi. C'est que c'est le plus intéressant quand vous allez essayer des choses et les rater. C'est vraiment le plus intéressant. Où trouver des artisans? Les sites internet, parce que ouais, le problème aujourd'hui avec la construction écologique, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup, beaucoup d'artisans qui sont dessus. Ça viendra, moi j'ai très bon espoir, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on ne les trouve pas toujours quand on aurait envie. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est de vous rapprocher des centres de formation à la construction écologique dans votre département, dans votre région. Leur demander, ils ont des bons carnets d'adresses. Il y a des coopératives de construction. Il y a un article, alors pardon, hein, c'est encore Faisons le mur, mais c'est ce que je connais le mieux. Donc, sur les formations, les différentes formations qu'on peut trouver pour l'habitat alternatif ou bien les artisans, les associations. Donc, ici, c'est une carte, il me semble, de Oikos qui relève un petit peu les associations qui œuvrent pour les systèmes et les trucs écologiques. Il y en a plus, hein, c'est juste quelques-unes. Il y a les groupes Facebook, parce que finalement, Facebook est quand même, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vrai que quand on s'intéresse au bâtiment, il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de personnes qui ont des choses assez intéressantes à apporter. Donc, il y a le groupe Enduit Terre Plâtre et Chaux et le groupe Rénovation Pertinente. Posez vos questions, une bouteille à la mer, et souvent, vous pourrez trouver. Donc là, on est toujours dans comment trouver des artisans. Hein. Donc, vous posez la question, vous demandez, et puis il y aura bien l'ami d'un ami qui va pouvoir vous conseiller, vous suggérer. Et puis, sinon, pour un chantier participatif, la même chose, aller dans ces endroits-là et puis demander si quelqu'un a envie de les encadrer ou sur le forum, tout simplement, de Twiza. C'est J'allais dire, le forum est un bon relais exactement aussi. le premier endroit. Pardon, la présentation était faite, c'est une présentation que je récupère. Donc, voilà, mais si, quand je la mettrai à jour, il faudra absolument mettre le forum de Twiza parce qu'il y a vraiment Carrément. beaucoup de monde. C'est tout neuf, mais c'est très qualitatif.
les magasins spécialisés, magasins de, bah, de vente de produits éco-construction, eux, ils ont des listes de clients. Et leurs clients, c'est des artisans. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et puis, je pense qu'on arrive au bout. C'est ça, on arrive au bout. Donc, hop, je vais remettre ma bouille. Donc là, vous voyez, donc moi, c'est Gauthier, comme dit, faisons le mur, si vous ne connaissez pas. Il y a une newsletter, il y a les fiches recettes dont je vous ai parlé tout à l'heure, différentes ressources, que ce soit des articles ou des formations sur les enduits, la peinture à la caséine avec Bruno Goutry, dont j'ai parlé avant. Et voilà, donc vous voyez ici, il y a faisons, alors c'est où, c'est ça, faisonslemur.com/chaudTwiza, c'est une formation gratuite sur la chaux. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les enduits à la chaux, c'est une formation gratuite assez riche, de plusieurs modules et de plusieurs jours en ligne. Et puis, si vous êtes intéressé par les fiches recettes, exceptionnellement ce soir, mesdames et messieurs, donc avec le coupon TWIZA, vous avez 50%. Voilà, ça c'est cadeau. C'est pour la petite communauté de TWIZA, la grande communauté de TWIZA. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore mis? Je crois que c'est tout. Non, les questions. Les questions. Alors, ce que je propose, c'est qu'on parte avec les questions peut-être de personnes qui sont là. Et puis après, sinon, j'en ai encore en réserve. Ok, alors, on a une question de Carole qui demande si on peut mettre de la peinture naturelle sur un support en peinture du commerce et quelle solution naturelle peut remplacer l'apprête du commerce. Je ne sais pas ce que c'est l'apprête. Mais... Alors, l'apprête, j'en profite pour boire un coup. L'après, pour ceux qui se demandent, c'est la couche de préparation. C'est la couche qui va apprêter le support à recevoir la peinture. Donc, on appelle ça la couche d'après. Est-ce qu'on peut peindre avec des peintures naturelles sur les peintures du commerce? Sur des peintures acryliques, oui. Sur des peintures mates, mais pas sur des peintures glycéraux, pas sur des peintures brillantes. Donc là, la règle, c'est foncer, enlever tout ce qui est brillant. Et après, on peut imaginer repeindre avec des peintures du commerce. C'est toujours bien de faire avec des peintures naturelles. C'est toujours bien de faire un petit test. Moi, la peinture à la caséine, je pense que c'est la plus polyvalente qui risque de tenir là-dessus. La peinture à la chaux, c'est risqué parce qu'elle est assez, comment on va dire, elle est assez lunatique, la peinture à la chaux. Des fois, elle veut, des fois, elle ne veut pas. Ça dépend beaucoup des conditions, ça dépend beaucoup des circonstances. Donc, je ne prendrai pas ce risque-là avec la chaux, mais avec la caséine, oui, tout à fait. Un peu ensuite et complément là sur l'après, hein, il y a une question spécifique sur quel après du coup sur du fermacell et on demande aussi quel type de peinture sur du fermacell. Ouais, là, la peinture à la caséine, encore une fois, c'est la plus complète. Et puis ce qui est bien avec la peinture à caséine, c'est qu'elle fait après. Donc elle fait peinture de sous-couche et en plus peinture de finition. Donc, du coup, on peut l'utiliser sur le fermacell, sur le placo. Le fermacell, c'est du plâtre et des fibres. Le placo, c'est aussi du plâtre et des fibres, puisque c'est du papier et puis d'autres choses mélangées. Donc, on reste dans des choses plutôt végétales. Donc, j'éviterais de partir sur des peintures minérales sur ces supports-là. Voilà. Donc, pas de chaux, pas de peinture à l'argile. Après, les peintures à l'argile mélangées avec de la peinture, avec de la farine, donc ça se fait aussi. Justement, on va utiliser l'amidon de la farine pour les peintures à l'argile. Donc là, on rentre un petit peu dans des peintures hybrides et ça passe aussi sur ce genre de support. Et quelqu'un demande du coup si le fermacell va pas trop absorber la caséine. Non, pas de raison. L'idée aussi, alors les sous-couches et les couches d'après, l'intérêt c'est lequel? Il y en a trois principaux. Le premier, c'est de rendre le support compatible à l'accroche. Donc, il va nous permettre à la peinture de finition qu'on va mettre dessus de venir tenir et accrocher. Parce que justement, la peinture accroche pas sur tous les supports forcément. Le deuxième, c'est le ton. Donc, les sous-couches vont permettre d'uniformiser la couleur et le ton du mur. Comme ça, quand vous allez faire votre peinture de finition, vous n'allez pas voir à travers, tiens, on dirait qu'il y a quelque chose il y a quelque chose à travers et tout ça. Donc, ça permet d'être un petit peu plus couvrant. Et pour le coup, on va utiliser des peintures d'après qui sont blanches, donc avec des pigments blancs, pour avoir vraiment un fond uniforme blanc sur lequel on va pouvoir mettre de la peinture.
Parce que quand on commence à peindre sur des supports qui sont sombres ou foncés, en fait, on va perdre aussi le côté éclatant de la couleur qu'on a envie de mettre en finition. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, les sous-couches, elles vont servir à ça. Et du coup, rappelle-moi ta question pour que je réponde clairement. Laquelle ? Vous avez plusieurs. Ouais, quelle après pour une peinture naturelle ou sur fer macelle ? Quel type de peinture sur fer macelle, t'as répondu ? Du coup, la caséine, ouais, c'était ça. Ouais. Et il y avait aussi une question sur c'est quoi la meilleure peinture pour une pièce humide ? Ouais, c'est une bonne question. Ça dépend si c'est. Est-ce qu'il y a des projections d'eau ? Est-ce qu'il n'y a pas de projections d'eau ? A priori, les peintures ont une particularité qu'on appelle réversible ou non réversible. Réversible, ça veut dire que c'est comme, par exemple, je n'ai pas d'exemple en tête, mais quelque chose que vous allez mouiller, et en le mouillant, il va de nouveau changer d'état. Donc, on n'a pas envie d'avoir ça dans une pièce humide, parce que justement, il y a beaucoup d'humidité, et on n'a pas envie que la peinture change d'état. Tiens, je vais enlever tout ça. Tac. Du coup, les peintures minérales vont être pas mal pour les pièces humides. Voilà. Mais encore une fois, ça dépend du support. Donc là, on est un petit peu tenu aussi par la nature du support pour savoir ce qu'on va pouvoir mettre sur le mur. Je dirais les peintures minérales ou les lacs. Là aussi, c'est les peintures à l'huile qui ne risquent pas grand-chose. Et on demande aussi sur l'aspect enduit, en fait, les types d'enduits imperméables pour une douche, par exemple. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il ne faut pas se louper. Donc, tout à l'heure, je disais, amusez-vous, jetez-vous. Là, non, vous ne jetez pas. Tout, alors. Hein ? On ne se jette pas sur tout, alors. Ouais, on ne se jette pas sur tout. Mais là, c'est sérieux dans le sens où l'humidité, c'est pas un ennemi, mais ça peut être la problématique. Ça peut être une grande problématique. Donc, dans une salle de bain, on a envie de bien assurer qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau parce que ça va détériorer le mur. Il va y avoir des... on va dire les moisissures et puis comme des germes qui vont commencer à se développer. Donc, on va essayer d'éviter ça au maximum. Et du coup, tous les enduits ne sont pas forcément adaptés. Et dans les enduits naturels, ce qui est le plus adapté aux pièces humides et aux endroits où il y a des projections d'eau, ça va être le tas de lacs. Mais le tas de lacs, c'est vraiment c'est un art à part entière. C'est une technique qui demande de la pratique pour être maîtrisée, qui demande beaucoup de compréhension pour être bien pratiquée. Et du coup, voilà, le tas de l'acte, c'est ce qui me passe par la tête. Mais je pense que c'est le roi des enduits. Ça va être un des enduits les plus techniques. Ouais. Merci. Je vais continuer de mon côté avec les questions. Il y en avait juste une qui demandait si on pouvait faire de la peinture avec de la cire d'abeille. Alors, on peut faire de la cire avec de la cire d'abeille et c'est une manière de protéger les peintures. Donc, ça va plutôt être un revêtement hydrofuge qu'on va utiliser pour protéger certaines peintures, voilà, ou les faire durer dans le temps. Donc, de la cire d'abeille diluée avec une essence d'agrumes, par exemple. Et puis, voilà, ça va changer l'état de la cire et on peut l'appliquer. Et il y a une anecdote rigolote, c'est que la cire, elle durcit, mais elle ne sèche jamais. Du coup, moi, je trouvais ça intéressant quand je l'ai appelé. C'est qu'on va l'appliquer, on va la poser, elle va durcir, mais en fait, elle reste toujours, elle garde toujours sa consistance de cire et elle est réversible si on vient justement avec des produits comme des solvants et des choses comme ça. Elle va de nouveau redevenir, se ramollir. Voilà, c'est une petite parenthèse, peut-être pas très approprié. Et alors, je ne sais pas si Gauthier, tu avais prévu de répondre aux questions qu'on t'avait envoyées dans le. Ouais, c'est ça, c'est ce que je pensais faire maintenant, si tout le voilà, monde. Voilà, ok. Bon, ben, je laisse ensuite. Okay, cool. Une petite sélection, parce que vous en avez posé beaucoup. Du coup, j'espère qu'il y aura les tiennes, Thierry, sinon tu pourras prendre la parole aussi, si tu es trop frustré et qu'il n'y aura pas répondu. Ça roule, on tente. Alors, peinture naturelle sur n'importe quel support. Sur du parpaing extérieur, est-ce qu'il y a des recettes, des ingrédients à privilégier ? Donc, on a parlé du support tout à l'heure. On essaie de respecter minéral sur minéral, végétal sur végétal. Sur du parpaing, on peut. Là, ce seront des peintures minérales qu'on va utiliser. Donc, ça va être de la peinture à la chaux, peinture au silicate qui tient bien. Et recettes ou ingrédients à éviter ou à privilégier, bon, je l'ai dit, minéral. Okay. Recettes. C'est liant plus eau. Et du coup, ça fait un badigeon ou un cholage.
Quelle finition perspirante est la plus indiquée pour du fermacell, hein? Génial, on a déjà répondu. Voilà. Il y a différentes écoles, il y a différentes spécialistes et donc différents recours. Moi, je suis un bon partisan de la peinture à la caséine. Ah, trop drôle. Pièce humide, répondu. Eh, on a gagné du temps. Comment peindre un enduit terre de couleur naturellement foncée en couleur plus claire pour améliorer le coefficient de réflexion et ainsi améliorer l'ambiance lumineuse, bien sûr en conservant les caractéristiques du mur. Là, le mieux, le plus simple et le moins cher, c'est la peinture à la chaux, le badigeon. La chaux, c'est absolument magique. Donc, chaux aérienne mélangée avec de l'eau. La première passe assez liquide et puis la deuxième passe un peu moins liquide pour justement apporter la couleur et couvrir la terre. Et ce qui est intéressant là, c'est que ça va aussi stabiliser la terre, donc la surface en surface, ça va renforcer le côté liant de la terre, donc la rendre plus durable. Et c'est génial. Du liège en extérieur de ma maison ancienne, je voudrais recouvrir de chaux. Les préparations exactes pour faire cette exécution et les températures. Donc sur le liège, la chaux aérienne, elle va bien. Donc on peut mettre directement de la chaux aérienne sur du liège. Comme on a dit tout à l'heure, le souci, c'est qu'étant donné que ce sont des plaques qui vont être posées les unes à côté des autres, on ne peut pas se permettre qu'au moment il y ait des mouvements, des portes qui claquent, quelqu'un qui s'appuie sur le mur, n'importe quoi, ça va faire bouger les éléments et ça peut faire des scissions. Donc ça risque de faire des fissures. Donc là, l'idée, c'est quand même de venir tramer. Alors, on peut tramer juste au niveau des joints ou alors tramer tout. Comme ça, on est tranquille. Donc, chaux aérienne, ça va sur du liège, mais là, on est en extérieur. Et en extérieur, il vaut quand même mieux, on va dire, jouer la précaution et d'être faire attention. Donc, moi, là, ce que je préconiserais en extérieur, c'est d'utiliser des sous-couches des fabricants. Donc, il y a pas mal de sous-couches qui sont faites pour ça et qui, même si la chaux aérienne tiendrait sur le liège comme ça, apporte un petit peu plus de garantie, parce que là, encore une fois, les conditions sont pas les mêmes et c'est un petit peu, voilà, ça va être un peu moins durable. On n'a pas envie de se planter en extérieur. Donc, regardez un petit peu les fabricants et puis regardez les solutions qu'ils préconisent ou les fournisseurs, hein, tout simplement. Voilà, vous leur demandez, eux, ils savent. S'ils vendent du liège, ils peuvent vous parler aussi des enduits. Et sinon, il y a, c'est quoi comme marque? C'est j'arrive jamais à le dire, UR de Joule, donc qui fait une sous-couche nature quelque chose. Et voilà, ils font des bonnes sous-couches, donc vous pouvez regarder ça. Mais pour l'extérieur, comme dit, on fait un petit peu attention quand même, et puis on suit les préconisations des fournisseurs. Mieux vaut deux précautions qu'une pour l'extérieur. Différence entre chaux aérienne et chaux hydraulique. Donc chaud, je vais faire vite, il y en a beaucoup finalement, c'est presque deux produits différents. Dans la pratique, la chaux aérienne tire moins vite, elle est plus lente à durcir, du coup elle est utilisée plutôt pour la finition, elle est moins résistante elle est moins résistante d'une manière générale à la compression, au frottement et tout ça. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Et voilà, la chaux aérienne est plus brillante, elle est plus blanche, donc elle sera plus adaptée pour les finitions. Et la chaux hydraulique est plus adaptée pour le corps d'enduit, pour les mortiers ou pour les couches intermédiaires, donc la couche de corps et tout ça. Plutôt de la chaux hydraulique, parce que justement, on va mettre de l'épaisseur. Et si on met de l'épaisseur avec un produit qui ne durcit pas vite, eh ben c'est long. On n'a pas envie d'attendre de trop. On pourrait faire des couches de corps avec la chaux aérienne, mais il y aurait peut-être plus de fissuration et puis ça prendrait plus de temps. J'ai tout un module là-dessus dans le cours gratuit pour ceux qui veulent sur Faisons le mur. Dans le cadre de la rénovation des futurs locaux de notre école, nous aimerions savoir quel type d'enduit utiliser pour les murs intérieurs. Moi, je partirais pour de la chaux, bien que la terre crue, c'est génial. La terre crue, c'est vraiment un matériau excellent. Mais dans les écoles, encore une fois, là, il y a plus de contraintes, il y a plus de,
des ballons, des courses, pouces, on frotte avec le cartable. Donc, il faudrait plutôt quelque chose de plus solide. Je partirais plutôt pour des enduits à la chaux, parce que c'est bien résistant. Et puis, puis c'est simple. Du coup, il y a très, très peu d'émanation. On est bien. Voilà. Donc, enduit à la chaux. C'est bien, ça, dans les écoles. Ah ben, c'est tout. Alors, est-ce que vous êtes tous endormis ou ça va? J'ai fini de vous achever avec les derniers trucs, non? C'est bon? On est là. Ok, génial, génial. Ben, faites-moi, ouais, c'est super, Muriel, je vois que tu... Bon, voilà, en ce qui me concerne, c'était la présentation que j'avais aimé vous faire. J'espère que ça vous a plu, appris des choses. Relisez maintenant ce que vous attendiez de la présentation quand on a commencé, donc pour voir un petit peu si ça a répondu aux questions que vous vous posiez. Et puis, s'il y a d'autres choses, voilà, on se retrouvera ci et là, quitte à refaire un webinaire sur un sujet plus spécifique s'il fallait. Ce sera avec plaisir. Voilà. Merci Gauthier. Et merci à tout le monde d'être là, d'être resté aussi longtemps. Est-ce qu'il y a encore une ultime question à main levée pour les derniers frustrés? Tu n'aurais pas pu poser la leur? Non. Ouais. Moi, j'avais une réaction par rapport à ce que tu préconises, Gauthier, pour l'école. Il n'y a pas moyen de faire une partie terre crue, une partie chaux, ce qui permettrait d'avoir une partie qui est recyclable, alors qu'avec la chaux, on ne peut pas vraiment réutiliser la matière. Ouais, ça peut, si y a un intérêt derrière à récupérer la matière, parce qu'au final, la chaux, on ne peut pas la recycler, mais en tout cas, ce n'est pas un rebut en soi, puisque ça peut retourner dans la nature comme ça. Mais oui, on peut imaginer, par exemple, à jusqu'à 1,20 m, avoir un soubassement à la chaux, et puis au-dessus, des enduits à la terre crue, bien sûr. On peut aussi imaginer stabiliser la terre crue, et là, c'est intéressant, donc c'est apporter avec des méthodes ou des méthodes de fermentation ou de la biopolymérisation. C'est un mot un peu barbare, mais j'adore le principe. Il y a plein de façons de rendre les enduits d'argile plus résistants. Parce que typiquement, quand on va dans certains pays d'Afrique, on voit des termitières énormes qui sont faites par des termites qui sont toutes en terre. Et alors on se dit, mais il pleut jamais là-bas, pourquoi ça part pas en boue, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qui se passe, c'est que les termites, étant donné qu'elles elles mangent du bois, elles consomment beaucoup de cellulose. Donc, quand elles vont construire leur termitière, et bien en fait, ça va être fait avec des restes de cellulose. Donc, c'est de la terre qu'elles vont mettre dans leur bouche. Des fois, ça passe tout le système digestif. Et puis, ça pose la terre. Et en fait, cette terre est enrichie en cellulose. Et cette cellulose fait que, et bien en fait, il peut pleuvoir tant qu'il veut. Et là-bas, souvent, c'est dans les pays, on va dire, équatoriaux et tout, c'est pas des petites pluies, mais les termitières, elles sont énormes, elles tiennent debout. Donc voilà, il y a des manières aussi de stabiliser la terre crue, et ça, c'est des recherches super intéressantes. Il y a le temps pour une dernière question? Oui. Oui. Quel type de peinture sur une zone qui a souvent des problèmes d'humidité, de dégâts des eaux récurrents, et sur laquelle il y a une sorte de tissage de papier tissé juste pour tenir les murs et une sous-couche, je pense, acrylique, blanche, voilà, pour faire que quand on répare, ce ne soit pas à nouveau complètement détruit et à refaire à chaque fois. Ouais, bah, il n'y a pas de... Je vais être un peu truc, mais il n'y a pas vraiment de miracle. Là, la question, ce serait vraiment d'arriver à trouver les origines de l'humidité, parce qu'on peut faire, on pourrait imaginer une peinture minérale dessus, une peinture à la chaux, mais pour qu'elle tienne bien, elle ne va pas tenir sur la base. On pourrait faire une base acrylique avec du sable dedans pour faire une peinture à la chaux éventuellement, mais du coup, faudrait enlever la trame. D'accord. Ouais, je pense qu'il faudrait l'enlever pour permettre aussi au mur de respirer éventuellement un petit peu plus. Mais là, une peinture qui tienne l'humidité, s'il n'y aurait que des peintures minérales, l'humidité constante, on va dire. Et là, le souci, c'est comment arriver à ce que ça accroche. La peinture au silicate du commerce, donc il y a Keim, K-E-I-M, c'est une marque allemande qui font des très, très bonnes peintures. Et la peinture au silicate, elle tient sur beaucoup plus de choses que la chaux.
celle-là, elle pourrait le faire. Mais les marques, les auréoles vont réapparaître. S'il y a des petits soucis, ça va continuer de se voir. Ça va pas cacher le problème, en tout cas. D'accord. Super. Merci. Avec plaisir, Muriel. Thomas, tu as une petite question? Oui, une petite dernière question. Tu préconises quoi comme peinture sur de l'OSB? Parce que c'est un peu glacé, l'OSB, et du coup, c'est un peu chaud. C'est ça, l'OSB, c'est bien. Il y a quand même pas mal de colle. Peinture à la caséine, là, pour le coup. Ça tiendrait. OK. Ouais, je pense. Hein. Pas de peinture minérale. Qu'est-ce qu'il y a? Des peintures, ouais, des lacs. Mais encore une fois, ça fait beaucoup d'huile. Ça dépend. Les lacs, ça tiendrait aussi. Donc, peinture à l'huile, huile de lin mélangée avec une essence d'agrumes, et puis du pigment. Et ça, tu peux. Donc, tu écrases bien les pigments, et puis tu peux peindre avec ça. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une. Ouais. Ouais, moi, j'ai une petite question. Je veux savoir, est-ce que par rapport à la dame qui demandait pour les zones humides et les taches qui reviennent, est-ce qu'il y aurait des possibilités de peinture, je ne sais pas, à base de terre pilée, d'argile pilée, pour faire assurer une espèce d'effet rétenteur d'eau, comme on peut avoir dans certains enduits où on met justement de la terre dans les caves, par exemple, pour pouvoir éviter qu'il y ait de l'eau et du salpêtre qui ressurgissent. Ouais, alors pas trop, parce que justement, l'argile, c'est ça qui fait sa magie. C'est que elle est réversible. On peut l'utiliser, la réutiliser, en la remouillant, on peut la réparer, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Elle passe vraiment d'un état à l'autre selon ce qu'on veut, quoi. Elle fait vraiment ce qu'on veut, et ça, c'est super malléable, c'est super sympa. Et du coup, dans un endroit où tu as une humidité, on va dire, constante, c'est pas trop à préconiser, parce que structurellement, les argiles, comment ça fonctionne? C'est des plaquettes, tout plein de petites plaquettes, comme des feuilles. Et y a de l'humidité. Et ces plaquettes, elles vont coller ensemble, comme par exemple deux feuilles de verre, avec une toute petite goutte d'eau, une infime goutte d'eau. Paf, ça va faire que les plaquettes, elles collent ensemble. Et en fait, toute la résistance, elle vient de là. Et du coup, ça va se faire sur toutes les plaquettes, avec un tout petit peu d'humidité. Donc, finalement, le liant de l'argile, c'est l'eau, à la base, si on creuse. Hein, et c'est ça qui fait que ça tient. Sauf que s'il y a trop d'humidité, eh ben, ça va déstructurer. Encore une fois, c'est comme si on prend l'image des deux feuilles de verre. S'il y a trop d'eau, finalement, pouf, elles vont finir par réussir à se décoller. Et là, le problème, s'il y a une humidité constante, comme dit, c'est que ça va déstructurer, ça risque de déstructurer. Je ne partirai pas pour l'argile. L'argile, ça peut être intéressant quand? Ça peut être intéressant pour des enduits ou des enduits de sacrés. Ça y est, tu sens bon? Ouais, c'est vrai. Des enduits sacrificiels. Donc, on va avoir un endroit où il y a beaucoup de salpêtre. Et on se dit, mince, j'ai envie de pomper un petit peu tout ce qu'il y a dans le mur pour que ça sorte et puis pouvoir faire un enduit propre derrière. Donc, on va faire une belle épaisseur d'enduit terre sur un soubassement, pour que justement, en séchant, il va venir pomper un peu l'humidité du mur, mais surtout les sels minéraux et les salpêtres et tout ça. Et après, on va le faire tomber et après, on va faire un enduit à la chaux, par exemple. Donc ça peut être une solution, mais pas trop dans le cas des peintures. Ok, ça marche. Cool. Merci. Avec plaisir, avec plaisir. Écoutez. Ok. Je ne sais pas s'il y a encore une ultime question. En tout cas, sachez que je pense qu'on peut se dire, on est resté 1h30, du coup, c'est bien. Merci d'être encore aussi nombreux à la fin de la présentation. C'est cool. Sachez que du coup, pour tout le monde, moi, j'enverrai le replay de cette visio par mail avec un petit formulaire à remplir pour recueillir vos avis, conseils, pour nous améliorer sur ce format. Et sachez aussi que on a envie vraiment de continuer cette discussion sur le forum. Donc, je vais encore une fois vous envoyer le lien pour le rejoindre. L'idée, c'est si ça vous inspire. Là, on est tous réunis par un sujet qui. Parce que j'imagine que beaucoup d'entre nous ont des problématiques communes. L'idée, c'est vraiment de se donner des conseils, des infos sur le forum.
de manière un peu asynchrone. Merci Gauthier, du coup, désolé tout le monde pour le petit cafouillage au début, mais c'était super cool, ça a bien rattrapé. Donc, merci aussi à Marlène, Laure et Maïssa, qui sont membres actives et qui m'ont aidé à co-animer. Je vous ai aussi mis le lien de Gauthier, je vous enverrai aussi le lien de sa page pour rester en contact avec lui, pour voir ses différentes formations. Je l'ai mis plusieurs fois dans la conversation, j'espère que vous êtes allés voir. Voilà, et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Est-ce que tu as un petit mot à côté, Gauthier ? Un petit mot de plaisir. Ouais, juste côté technique, avant de fermer la salle, j'aimerais juste faire un petit essai pour voir pourquoi tout à l'heure j'étais en. Ok. Ma vidéo ne fonctionne pas, donc juste pas tout fermer tout de suite. Ok. Juste arrêter l'enregistrement. Au revoir tout le monde. Salut, bonne soirée, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Ciao. Bonne soirée, bon appétit.